Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du siège de Paris avec Eivor dans Assassin's Creed. Voilà les amis, je vais vous accorder moi encore deux petites secondes. Et je suis à vous. Alors. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Et on est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop. Et hop. Alors, vous inquiétez pas les amis, hein, si je fais beaucoup, hop, hop. Bon, les amis, beaucoup de choses à dire ce soir, donc si vous avez pu l'occasion de lire le titre de la vidéo, vous savez donc que c'est notre dernier live sur YouTube, on passera probablement à Twitch dès jeudi, donc soyez avec moi, au rendez-vous, et je parle à vous évidemment la team replay, j'aurai l'occasion de répéter à toutes les personnes qui viendront au live au fur et à mesure. Comme d'hab ce soir, peut-être partir pour une heure et quart, 1h20 de live, plus ou moins. On verra, s'il y a beaucoup de monde, peut-être qu'on se prolongera un peu plus. J'ai oublié de changer ma manette de PlayStation. Ha! Est-ce que je peux la changer sans couper le live? Je peux. Alors. Ok. Bonsoir à toi, le Saint-Bernard. Comment vas-tu? Sacré titre, dis-moi. Oui, exactement. Dès jeudi, on passera désormais sur Twitch pour les lives de Valhalla et d'Horizon. Je t'entends plus. C'est normal, j'ai changé de manette de PlayStation. Parce que j'ai 4 manettes de PlayStation, mais il y en a deux. Enfin, une surtout qui bug beaucoup. Et donc, du coup, vu que c'est la manette que j'utilise notamment pour regarder des vidéos YouTube ou autres, Netflix et compagnie. C'est ça, le micro de la manette, exactement. Bon. On est parti, hein. Petite heure et demie, peut-être plus, on verra bien. Le siège de Paris continue et on va aller par la pierre. Mais vous aurez toutes les informations, je vous fournirai Pierre, une petite vidéo demain. Peux-tu m'expliquer? Nous avons un intérêt commun. Toi, en résistant aux francs loyalistes qui méprisent ceux du Nord, moi, en étant payé. Je ne vois pas bien le rapport. Je suis en lien avec des hommes et des femmes de Francie. Lassés de la férule amère et tutelle chaotique de Charles. Ils sont peu nombreux, vois-tu. Car ceux qui sont prêts à résister aux forces loyalistes bien armées se font rares. Tu n'as pas foi en leur cause? Moi non, mais eux si. C'est là que tu interviens. Si tu les aides, tes efforts seront largement récompensés. Je trouve cela plutôt étrange que tu les soutiennes alors que tu ne crois pas en leur succès. Quel monstre serais-je donc à vouloir étouffer le doux espoir qu'ils caressent en eux? Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent à gagner. Et cela mérite attention. Alors, qu'as-tu décidé?
Montre-moi ce que tu proposes. Mission de rebelle. Une seule mission de rebelle peut être active à la fois. Au fil des déplacements d'Eivor en Francie, d'autres rebelles chercheront de l'aide. Pour savoir où se trouvent d'autres agents de la rébellion, ouvrez la carte. Donc c'est un espèce d'aigle, je crois. J'ai du mal à voir ici. Alliés rebelles. Des rebelles alliés accompagnent Eivor lors des missions de rébellion. Il peut s'agir au soit d'une escorte expert en corps à corps ou en experte à distance. Ces rebelles aideront Eivor sur le lieu de ta mission et t'aideront si, si besoin est. Ah, ça me rappelle les assassins dans Brotherhood. Une fois les objectifs d'une mission de rebelles atteints, Eivor doit retourner voir Pierre ou l'un de ses agents pour rendre compte de la mission. Ok. Canard sans tête. Qu'est-ce quant à Camère, privé d'ordre, ses hommes signeront en tout sens. L'un des camps loyalistes accompagnait régulièrement ses hommes, patrouille. De Slipin à Péruvien, tue-le et ses hommes seront désemparés. Ok. Si on met débuter la mission. Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor. Lieu de rebelles. On trouve des rebelles dans Lyon, carte de Francie. Pour voir d'autres lieux, ouvrez la carte. Ok. On va ouvrir cette carte. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bah, c'est pas mal. Petite nouveauté. C'est plutôt cool. Bah, parfait. Atteindre le rang 2 d'infamie pour connaître l'infamie, récit des missions de rébellion, ses agents. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, la mission là, je présume que c'est Canard sans tête. Bon, on va le faire tout de suite, hein. Parce que quitte à faire, hein, on est à côté. Enfin, plus ou moins. Salut à toi, Fabien. Comment vas-tu? Et puis bon, ben. On continuera la quête principale après. On les appelle comment, mes rebelles? Ils me suivent ou... Ou ils viendront peut-être là-haut directement? Je sais pas comment ça marche. On verra bien. Bon allez, c'est parti. On va juste faire cette mission vite fait avant de continuer la quête principale. Comme ça, on verra bien à peu près ce que nous veut ces missions-là. Et si c'est pas forcément des trucs très intéressants, je les ferai hors caméra. Hein. C'est pas gênant. Il me semble qu'il y a un trophée à débloquer dans ce genre de truc. Dans ce genre de mission, donc on verra bien. Et on reprendra le siège de Paris juste après, hein, les amis. Je les appelle de la même manière qu'un chien sans pattes. Ouais, sauf que le Saint-Bernard, un chien sans pattes, on l'appelle pas, on va le chercher. Je la connais. Enfin, tu me diras, t'es pas obligé d'aller le chercher, mais si tu le siffles, tu vas le siffler longtemps, hein. Je pense. Hein. Non, ils sont plus très loin. Oh non, j'ai pas vu ce que j'ai vu. Non, ils ont pas fait ça. Ils nous ont rajouté un nouveau jeu de pierre. Oh, c'est pas vrai. Alors, pas le jeu de mots avec pierre qu'on a croisé il y a 2 minutes, mais... Oh non, c'était de la merde dans la quête principale. Ils font chier. On va voir que je vais bien galérer encore mes grands morts. Alors, tac, rebelle franc. Ok, bon, ils ont une bonne tête de vainqueur. Hein. Merde, j'ai pas vu le didacticiel. Ça fait chier. Gameplay. Ah, il va nous montrer comment les appeler. Monde d'activité. Mission de rébellion. Une seule mission de rébellion peut être active à la fois. Préférant, tac tac tac. Ah, ok, ils attendent sur le lieu de la mission. Très bien. Il me l'a renseigné. Et du coup, on a aussi une quête secondaire à faire. Donc, est-ce que je le ferai peut-être pas en let's play, toutes les quêtes secondaires? Ça peut être intéressant. Ça évitera de trop faire un truc. C'est des loups. Okay. Oh, ils sont armés de fourches. Oh la vache. Belgique,
Ils sont armés de fourches. Bon, comme d'hab, hein. Alors Fabien, ne sois pas surpris. Si tu vois des éclairs, tout est normal. Bah voilà, réussite de mission de rébellion. Par contre, ils sont armés de fourches, quoi. Ah, infamie. Vous avez mené à bien une mission de rébellion et accru votre infamie. Les rebelles vous apprécient davantage. Chaque augmentation de niveau d'infamie permet d'accéder à de nouveaux éléments d'armure, modifications esthétiques, ruines et améliorations. Pour savoir ce que propose Pierre, rendez-vous à sa boutique. Putain, Pierre, il a une boutique. Incroyable. Bon, on ira lui reparler après, les amis, parce qu'on est plus proche du coup de la quête principale. C'est un élément de gameplay indispensable à ajouter à un DLC. Quoi, le un chien sans pattes ou des paysans armés de fourches? C'est pour ça de frapper des paysans, des éclairs. Ou plus ou moins dans l'idée. Ah, c'est surtout que... au niveau combat, on va dire que t'es pas trop mal. On va dire ça comme ça. Alors, nous disions la quête principale. Parce que Pierre, il est sympa, mais il peut attendre. Hein. Non, le jeu des pierres. Oui, non, c'était pas un élément indispensable, effectivement. Ils auraient pu s'en passer. Après, s'il est facile, ça va. Mais j'ai mon petit doigt me dit qu'il est autant casse-couille que les derniers. Autant les premiers, c'était trop facile. C'était vraiment en mode, t'en piles trois pierres. Hein. T'as gagné. Autant les derniers, ils ont fait... En fait, t'as six pierres, mais tu ne peux en fait en empiler que quatre. Mais il faut quand même que tu empiles les 6. Et surtout, il faut avoir une hauteur requise. D'où il faut que tu positionnes une pierre tellement... Comment... millimétrée que... Pff, tu pètes un plomb, quoi. Tu pètes un plomb. Alors, c'est où? Où est-ce qu'il nous attend, notre poteau? Je le vois pas. On ira rencontre à Pierre après, hein. On va continuer un petit peu dans la quête principale. Donc il faut bien mener 10, me semble, pour débloquer le trophée. Donc on... je sais pas si je les ferai en live ou hors caméra. Alors Siegfried, t'es où? J'ai besoin de ta vue, mon ami. Mon ami, il est là. J'irais même qu'il est en dessous. Oh là! Meute de rats? Quoi? Il est impossible d'éliminer ou de causer des dégâts à des meutes de rats. Pour les repousser, attaquez-les à l'aide de votre arme. Lorsqu'on les repousse, les rats risquent de fuir vers une grille d'égout voisine. Pour les piéger, recouvrez ces grilles d'objets déplaçables. Si on a... Vision d'Odin met en substance les meutes de rats. Quoi? Des meutes de rats. Putain. C'est quoi ce vieux cliché là? Amidez-nous ici. J'arrive. C'est putain. Incroyable. Comment m'as-tu trouvé? Où est Toka? Toka a deviné que tu serais ici. Elle est toujours à Melun, à chercher tes hommes de garde. J'ai perdu Angèle 20, mais ce soldat m'a dit qu'il se dirigeait vers l'église voisine. Viens, nous pouvons passer par les bas-quartiers. Ah, même d'ici, on peut sentir l'odeur de pisse des bas-quartiers. Siegfried, je veux empêcher cette guerre d'atteindre l'Angleterre. Je dois rencontrer Charles. À quoi bon? On ne peut pas discuter avec ces chiens. Tu as oublié le sort de mon frère Sinrich? Non, et c'est pour cela que je dois essayer. C'est la raison de ma venue en Francie.
Si je tue Angelvin, je veux que tu m'aides à obtenir audience auprès du roi. Ah, impossible de raisonner avec toi, ami des loups. Tu es aussi sauvage que... Ah ben, c'est roleplay, t'es à Paris, y a des rats partout. Ouais. On est plus dans le cliché que le roleplay, hein, tu m'excuses, mais... Par où il est passé? Merde. Passé par où? J'ai tourné la tête 2 secondes pour regarder le chat. Ah, il a monté les escaliers, putain. Et je l'ai perdu de vue, c'est incroyable. Ah ouais, il est même là-haut, ouais. Putain, il perd pas son temps, lui, hein. Nouveau lieu découvert, Paris. Bon, en tout cas, on aura appris des paysans en fourche et des rats. C'est bien Ubisoft. C'est très sympa. On va le prendre bien, je pense. Il manquerait plus que des boulangers avec un béret, on est pas trop mal, hein, en vrai de vrai. Hein. Incroyable. Par contre, tu me demandes ce que ça fait si on tire pas sur les rats. Coule le sang des saints, des conquérants. Les hommes du Nord ont peut-être le nombre, mais nous avons le Seigneur. Regarde-le. C'est Eudes, le comte de Paris et bras droit du roi. Il doit chercher des soutiens pour son armée. Qu'importe la férocité des combats. Nous garderons courage et honneur. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons fait. Toujours aussi vaniteux. À côté de lui, c'est Gosselin, l'évêque de Paris, le redoutable guerrier. Nous nous repaîtrons de ces deux-là un autre jour. Ta mission, c'est Angelvin. Et pour cela, tu dois réussir à entrer dans l'église. La solution est en bas. Ce cloaque. On ne peut pas dire que ça m'aide beaucoup. Si c'était facile, je l'aurais tué depuis longtemps. Mais tu as un avantage. Tu n'es pas connu de ces... de ces gens. Siegfried le pillard est presque à nos portes. Et que vient-il chercher? La funeste pitance à jamais convoitée par les hommes du Nord. Le sang et l'argent. Le vôtre et le mien. Apparemment, ils me connaissent déjà. Quelqu'un là-dedans sait quelque chose. Il te suffit de l'obliger à te le dire. Ai-je donc ta promesse, alors? Qu'ensuite, nous irons voir Charles? Entendu, mais fais vite. Je ne peux pas rester longtemps loin de Melun. Et cette puanteur Franck me retourne déjà l'estomac. Trois gardes, c'est une insulte. Je vais m'occuper d'eux. Toi, tu trouves Angelvin. Il se cache dans son église. Vas-tu te faufiler et convaincre l'un des siens à t'aider? Ou vas-tu rougir de sang toutes les rues? Comme tu le ferais. Il n'en mérite pas moins. Mais toi, toi, tu es l'ami des loups, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de mes conseils. Bon alors, que vas-tu faire? Je trouverai ma propre voie. Je vais aller discrètement. Enfin, je vais essayer d'y aller discrètement. Assassinat de l'évêque Angelvin. À l'abri derrière les portes bien gardées de son église fortifiée, l'évêque Angelvin joue pour les populations déshéritées des bas quartiers de Paris le rôle d'un berger très douteux. Parler aux gens de la taverne pour obtenir des indices ou explorer afin de trouver une autre entrée. C'est nouveau ça aussi. Les cinématiques comme ça là. On les avait pas dans la quête principale. C'est plutôt sympa. Alors les occasions d'infiltrer sont à la boussole. Ok. Ok, l'église est ici. Ah, il y a moyen de contourner, je pense. On va bien voir. Peut-être que bientôt, tu auras les vendeurs de rue qui tenteront de te vendre des porte-clés Tour Eiffel. Ben, si c'est le cas, j'aimerais bien leur parler parce qu'ils ont un peu d'avance. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des gardes. Donc, tant qu'il n'y a pas de gardes, on peut marcher dans les rues. Hein. Je pense que ça me paraît pas trop mal. En vrai, je sais même pas si je suis connu ou pas, en fait. J'ai pas l'air d'être connu, hein.
Bon, j'ai clairement pas la gueule d'un franc, hein. J'ai vraiment plus la gueule d'un viking, mais en vrai. Ça passe, hein. En tout cas pour le moment. Moi, le plus chiant, ça va être de trouver un endroit où rentrer. Si on me voit, cela se passera mal. Ah, là, cette fois-ci. Déploie tes ailes, Sinin. Ouais, c'est bien cette église-là. Par contre, je le trouve pas. C'est bizarre ça. Alors, il y a bien une entrée ici, mais elle est trop bien gardée. Il y a une clé là. Par là, peut-être. Par ici. On va voir si je peux passer par là, peut-être, pour rentrer. Ou alors... Je peux pas sauter de branche en branche. Comment rejoindre les cibles d'assassinat ? Vous avez rejoint une zone d'infiltration, l'évêque Angine s'y trouve. Il existe systématiquement plusieurs moyens de rejoindre et d'assassiner une cible. Explorez et résolvez des problèmes suivant les indices dans une zone d'infiltration. Restez à l'affût d'occasions d'assassinat, c'est-à-dire de moyens discrets d'approcher de votre cible pour un assassinat spectaculaire. Et là, mon aigle va me dire où il est. Non ? Il sert à rien. C'est incroyable. Bon. C'est bizarre qu'ils nous montrent des trucs comme ça. Bon, il y a un clampin qui frappe à la porte en bas. Il a une clé sur lui, c'est peut-être pas la bonne. Sinon, il serait déjà rentré, à mon avis. Ou alors, il sait pas ouvrir une serrure. Au choix. Pour la délivrance ? Oui. Non. Je sais pas. Je veux être proche de Dieu. Mais ces cris me plaisent pas. Ça te paraît normal à toi ? Ce rite de délivrance, c'est Angelvin qui l'accomplit ? Oui. Justement. Et il le fait tout seul. Je suis le prochain sur la liste et. Je ne suis pas sûr d'en avoir envie maintenant. Je pourrais peut-être voir Angelvin à ta place. Et toi, tu t'en irais. Dis-moi ce que je dois faire. Il te faut une aube. On ne te laissera jamais entrer sans une aube particulière. Ensuite, tu suis le couloir et tu parles au prêtre. Alors donne-moi ton aube. Mon aube ? Certes, oui, on m'en a donné une, mais je ne l'ai pas encore revêtue. D'ailleurs, je l'ai laissée quelque part, par ici. Je vais la trouver et prendre ta place. Tu ferais bien de partir avant qu'on t'appelle. Oui, oui, tu as raison. Je vais faire exactement ça. Mais dès que j'aurai retrouvé mon calme. Ce n'est pas possible. L'évêque Angelvin n'a jamais... Et là, mon aigle va me dire où il est. Mais comme il est un corbeau, il m'a mal pris, et tu me traites d'aigle. On essaie de te snober. Oui, c'est vrai que c'est un corbeau. J'ai vraiment du mal, hein. Je pense que là, à ce niveau-là, je m'habituerai jamais. Bon, par contre, si je change de tenue, c'est fini pour le marteau de Thor. Hein. Je crois. Waouh! Il y a un truc. J'avoue que c'est classe quand même. Très joli. Sinistre.
délivrance. Enfant de Dieu, ne parviens-tu pas à te faire du péché? Veux-tu te rapprocher de ton Sauveur? Aimerais-tu savoir et comprendre ce que te réserve le Père Céleste? Dieu lui-même a tracé la voie. Viens près de son autel, chercher sa bonté, et tu trouveras ta délivrance. Ouais, il va la trouver, sa délivrance. Faut que je trouve l'évêque Angelvin. Tu sais où il est? Si tu es là pour la délivrance, tu vas devoir attendre. Cela fait des heures que mon frère attend en haut. Je crois qu'il est là-haut. On va se débarrasser de lui. Elle est où? Plusieurs nouvelles quêtes acceptées. On se calme là, hein. Il y a des quêtes qui pop de partout, j'en ai pas demandé une. Hein. Oh, ok. Salut Talch, comment ça va? Ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu notre ami Talch. Ah. Le prêtre. Prends cette clé. Prépare ton cœur. Et lorsque cela sera fait, franchis cette porte. L'évêque t'attend au-delà. Je vois que tu es fin prêt pour le rite. Ben, je vois qu'il y a un petit peu de monde. Donc du coup, je vous en profite évidemment. Hein, mais le titre du live, évidemment, spoil un petit peu. Pour le moment, les lives YouTube vont être mis un peu en suspens. Et du coup, je vais passer sur Twitch. Donc tout est déjà quasiment fait, plus ou moins. Je vous ferai une petite vidéo récapitulative demain. Pour vous donner également donc un Greenpoint 2. Où évidemment je vous dirai aussi les 2-3 trucs hein, liés notamment à Origin, Brotherhood et compagnie, à Horizon Zero Dawn. Mais voilà, dès jeudi soir je serai sur Twitch hein, à peu près à la même heure comme d'habitude. On partirait pour des lives de 1h, 1h30, voire plus si jamais je suis super chaud. Et puis ben voilà. Écoute Talj, je vais très bien. Et puis quoi de neuf? Pas grand chose. J'ai failli être cas contact, d'un cas contact, au niveau du Covid. Alors, visiblement, ça s'est réglé dans les dernières heures, hein, mais c'était chaud, c'était très très chaud. J'ai eu pensement pas mal de taf, problèmes avec l'administration de la fac, tout ça, on apprécie. Ah, bah ça, les problèmes, je peux t'assurer, t'inquiète, t'as le genre à ce niveau-là. Les soucis, on les connaît, hein. Mais d'ailleurs, il y en a un autre qui va avoir des soucis dans 10 secondes, là. C'est notre poteau. Bienvenue, voyageur. Les yeux sont couverts, et pourtant tu me vois. Justice et innocence sont aveugles, mais elles n'en voient que mieux. Trouve-les, éclaire le chemin, et vois les trésors de Dieu. Dieu est lumière, et en lui, il n'est nulle ténèbre. Le chemin quand Dieu l'illumine. C'est une énigme. Le chemin vers la délivrance. Ce doit être Angelvin. En voilà une. Bon, par contre, plusieurs quêtes acceptées, ça commence à être un peu chiant là. Venger les mags et les gars à droite à gauche. Bon, Den économiste là. Okay, on approche. Angelvin. Il en va toujours ainsi. La vie. Il branche la mort. Voilà une autre arme pour le jugement dernier. Toutes tes sentences sont justes. Est-ce qu'il y a moyen de le choper en hauteur? Viens, mon enfant. Ah, raté.
pas raté. Non mais les mecs. T'inquiète pas, t'es pas le seul à subir cette toile, viens là toi. Quoi, comment ça c'est pas fort du tout? Ah j'ai pas vu les bancs par contre. J'avais pas vu les bancs. Je sais pas si j'aurais été plus discret avec les bancs quand même malgré tout. Tu vas aller sur Twitch du coup? Ouais, je vais essayer, Talj. Alors, je sais pas si j'y resterai longtemps, mais j'ai envie d'essayer une autre plateforme. Je compatis pour la fac, mon administration a toujours été laborieuse, au mieux. Quand tu y vas, tu sais jamais si tout va bien se passer. C'est sans commentaire, MDR. Visiblement, ils disent plus tôt dans le livre que demain, ils feraient une vidéo avec toutes les infos. Oui, exactement, un green point. En fait, je devais déjà être sur Twitch ce soir. Le problème, c'est que je me suis dit, attends, si je vais sur Twitch, les gens vont pas comprendre que j'y suis. Donc, je vais d'abord faire un dernier live sur YouTube, continuer le siège de Paris comme c'était prévu. Et ensuite, je leur dirai, hein, s'il y a des gens qui viennent, que je passe sur Twitch. Et puis, dès jeudi, je pourrais être enfin sur Twitch. Sur ma vidéo de demain, je vous enverrai évidemment mon Twitch, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Hein. Bon. Allez, salut. Bon, par contre, hein, je maintiens Excalibur avec le marteau de Thor. C'est beaucoup trop fort. Et surtout, ben, le marteau de Thor, en fait, visiblement... Ce qui est encore plus fort, c'est que on est bien d'accord que je n'ai absolument pas toute l'armure de Thor, vu que là, ce n'est plus le cas. Et pour autant, j'arrive à le porter, le marteau. Donc, à mon avis, il faut juste la tenue de Thor pour choper le marteau. Ce qui est juste incroyable. Bon, il y a l'autre dame là-haut, est-ce qu'elle va me faire chier ? Level up. Plusieurs nouvelles quêtes acceptées. Déjà eu le cas de donner un dossier qu'on vérifie sur place. Qu'on me dise que tout est en ordre. Le lendemain, je reçois un appel de leur part en disant qu'un papier manque dans le dossier. Ah, papier que j'avais bien fourni, mais qu'ils avaient malencontreusement paumé. Donc que j'ai dû refournir. Ah, joie. Et là, on en est qu'au dossier d'admission. Et après, j'ai jamais eu trop approché l'administration de ma fac à l'époque et des échos que j'avais eu des autres, même d'autres facs, c'était que c'était même bordel. Un vrai plaisir. Tu m'étonnes. Pour ne pas dire que j'avais eu de la chance d'avoir une fac avec une bonne administration. Alors, j'ai jamais été en fac, personnellement, mais quand je vois un peu le bordel que c'est, je compatis, hein. Allez, c'est cette pièce-là. Angèle Vin ferait un bon billard. Bon, je pense qu'il y a un vrai trésor intéressant là-dedans. Plus qu'autre chose. Ah, attends, on a des lettres à lire. On va les lire après. Bon, il m'énerve les plusieurs quêtes acceptées, là. Le symbole bien étrange. Il doit avoir une signification. Oh ! Eh, salut, toi ! Ah, la faux! Ok, la fameuse faux. Très bien. Alors, lettre à moitié rédigée. Isodorus. Ce nom me dit quelque chose. Je suis regret de t'annoncer que malgré mes efforts les plus subtils, l'opposition du roi se poursuit. La faute en revient entièrement à la reine. Sa simple présence suffit à interrompre toute discussion. Nos maigres progrès s'évaporent
conversent entre eux. Charles est bien trop faible pour échapper à son influence sans une intervention de notre part. Je crois que l'unique recours est de la faire disparaître. Le roi sera dès lors disposé à entendre nos conseils. La tâche sera difficile, mais pas davantage que notre récente réussite. Une reine n'est pas plus inaccessible qu'un pontife. C'est bien ça, ouais. J'ai pris la liberté d'envoyer une petite troupe composée de nos frères les plus fidèles s'emparer. Il manque la fin. Et la fin, je pense qu'elle doit être là. Non, je peux plus relire ce document ou... Je peux plus lire le document. Donc on a obtenu une faux et le reste est là. Donc c'est la reine qui fout la merde ? Très bien. Bon, d'un économiste là. En plus, c'est le nom qu'il a, le mec, le pseudo quoi. Sérieux, respecte-toi. Voilà, ça parle beaucoup là. Tac-tac-tac. Bah, toi, si t'es considéré comme une bonne administration, bah, moi, c'est la pire alors, sans guillemets. Vraiment, ils sont trop nuls. En gros, la fac, c'est simple, l'administration, c'est pas dingue, t'as beaucoup de temps libre en termes d'horaire en cours. Je ne savais ne pas m'inscrire à certaines épreuves partielles. Ah bah bravo. J'ai dû les prévenir que j'avais bien ces épreuves. Putain. Mais en contrepartie, ce temps libre sert à bosser de ton côté. Mais non, rien ne va. Incroyable. Ah, je devais passer mes épreuves. T'es pas sur la liste. Celle-là, en vrai, elle est pas mal quand même. Ah là là. Ah ouais, la douille. Ah, il y a d'autres documents à lire, visiblement. Bon, on va les lire, hein. Bon, il m'énerve. Cette lettre est adressée à Charles et parle de l'attaque contre Melun. Elle devait être envoyée cette nuit à un bordel de la taverne. C'est là que doit être le roi. Alors, je vérifie juste quelque chose parce que notre ami Dan Economiste là. Voilà, j'ai bien vu un truc vert, un truc bleu briller là-haut. Instruction délivrance. Instruction pour la délivrance. Porte aube officielle. Sans elle, il ne te sera pas permis de voir l'évêque. Elle couvrira ton masque de piété. Et sans elle, tu ne sauras entrer dans la salle sacrificielle. Ses aubes se trouvent en haut. Prépare ton cœur. Tu vas paraître devant Dieu Tout-Puissant et son ministre qui t'accepteront ni du prix ni duplicité. Le moment venu, présente-toi au diacre qui est à l'entrée des quartiers de l'évêque. Il te fera rentrer. Tu ne pourras partir qu'une fois le rite achevé. Des gardes seront présents et veilleront. Il sera demandé d'ôter l'aube et partons de t'évoiler instantanément devant Dieu et son saint serviteur. Agenouille-toi devant l'autrite et attends le début de la délivrance. Disposition est aux prises afin que tu accomplisses le rite. Ok. Donc c'est ce qu'on a plus ou moins vu vite fait avant qu'on le bute. Moi par contre, je sais pas où t'es, Dan Economique, mais il me fait chier lui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de remettre une vraie quête ? Majesté dans les ténèbres. C'est ça là que je veux, parce que l'autre il m'énerve. J'ai pas vu la gueule de l'arme aussi. Tac tac tac. Je crois que c'est une faux, me semble-t-il. Faux de révolte. Ok, donc pour le moment, je veux pas la mettre. Étonnamment, hein. Étant donné que j'ai une arme. Enfin, les deux meilleures armes du jeu. Et que je peux les avoir en même temps. C'est une aberration. Et donc, du coup, blason sanglanté. Ok. Bon, les level up, on le fera ça en fin de live. Et le codex. Qu'est-ce qu'il nous apprend de plus, je pense. Base de données. Personnage. Le comte Hud et l'évêque Gosselin. Ok. Ok, ok, ok. Meute de rats. Putain. Bande de racistes. J'ai eu le cas inverse de me retaper une année. J'avais validé des modules sur ma deuxième année. J'ai passé tous mes lundis soirs, cours de 18h à 20h, à mon seul cours du lundi, pour apprendre au jour de l'épreuve. Mais vous avez déjà le module, cassez-vous. Donc j'ai été convoqué à des cours que j'avais déjà validés. Oui. Ah putain. Oh la vache. Ah bah bravo. Oh putain, non mais sérieux.
Ah la vache. Ah c'est horrible. J'ai cravaché toute la nuit pour réussir à mes examens. Non mais tu les as déjà, hein. Maintenant tu peux te casser. Hein. Oh putain, non mais sérieux, tu... Y'a de quoi péter un plomb en vrai. Est-ce que je ressors par où je suis rentré? Ça me paraît être le bon plan. C'est bon, hein, c'est fait. Hein. Du coup, je te rends ton truc. On va dire qu'il repère mon palan, je lui file. Tac. Voilà. Voilà, merci pour tout. Tac, et ils sont là. Voilà. Parfait. On s'est même pas fait voir une fois, quasiment. Requines catin pace, bastardo. Toute la nuit, 18h à 20h, pendant un an. Pff, putain. Ouais, bon courage pour tes épreuves et tes problèmes d'administration, Talj. Ouais, pareil, Talj. Bon courage. Ils font chier, mais bon. Et c'était le seul module que j'avais pas validé du lundi, donc j'avais vraiment que ça. Oh, licence ou master, je sais plus non plus. Effectivement, je ne sais plus non plus. C'est ouf. Ok. Donc là, on n'est pas encore à Paris, hein. On est juste encore dans les bas quartiers. On est dans la banlieue, t'as vu? Et il y avait déjà des banlieues à l'époque, incroyable. Qu'est-ce que nous avons là? J'ai encore oublié quelque chose là-haut, ça va être le corps de Den économique. Mais on s'en fout un petit peu sans vouloir le vexer. On le salue hein, si jamais il passe. Mais je pense que on a d'autres chats à fouetter. Ça va, il n'y a pas non plus énormément de gardes dans les rues. Ça fait bizarre par contre d'avoir gardé la vision d'Odin alors que on s'en est un petit peu débarrassé de lui. Ça me paraît quand même un peu... C'est un peu en mode... Tu t'en es débarrassé, mais vas-y, garde sa vision, hein, parce que c'est très fort. Ok. On est à côté. Bonsoir, Marios. Comment vas-tu? Master, dernière année. Après, je serai libre. Ouais, donc... ta dernière année de Master, ta dernière année de Master, c'est un peu l'abus. Ouais, donc t'as... Oh la vache, Oh, le Saint-Bernard, comment je viens de lire ta phrase? Ouais, donc rater ta dernière année de master pour ta dernière année de master, ça aurait été un peu l'abus. Putain, j'ai plus ce que j'ai dit, mais ça n'avait aucun sens, ce que j'avais dit, putain. Incroyable. Bon. On est dans le bordel situé... Ok. La question, c'est comment je rentre dans ce bordel. Forcément une entrée. Je l'ai trouvé. Ah là là là.
J'adore le marteau et ces deux armes sont vraiment l'abus total. Il y a quand même pas à foutre. Tavernière, je cherche de la compagnie. Homme du Nord, tu cherches certainement quelqu'un d'aussi jeune que toi pour étancher tes appétits. Et en temps normal, je serais ravi de t'aider. Qu'est-ce qui t'en empêche ? L'endroit est fermé, à cause d'un visiteur, disons, spécial. Tu vas devoir te contenter des dilettantes. Ce visiteur doit être très important pour qu'on refuse une clientèle honnête. Ah, ne compte pas sur moi pour te le dire. Je tiens trop à ma tête. Ce qui est une forme de réponse quand on y réfléchit. J'aimerais vraiment te faire changer d'avis. Si ton besoin est si pressant, tâche d'en convaincre le garde à la porte. Il est au pied de l'escalier. Corbeau qui bug derrière. Peut-être que quelques pièces. Ma foi, c'est possible. Tu ne pourras pas entrer par la grande porte. Mais comme souvent à Paris, il y a une autre entrée. Je t'écoute. Les égouts. Les arbres qui est devant la grande porte mérite ton attention. Mais tâche d'oublier que je t'ai dit ça, d'accord? Merci à toi. Ok. Y est bien? Ah, c'est une boutique. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la boutique? Rien qui sort de l'ordinaire, je présume. Alors, quand même des trucs intéressants pour la colonie. Non, c'est des trucs que j'ai déjà pour la plupart. Très bien. Je pars. Porte-toi bien. Ah, vous vous arrêtez plus de parler, vous deux. En même temps, vous avez raison, hein. Mais ma phrase n'a aucun sens de base, donc. Je voulais dire, rater la dernière année de master pour un problème d'administration aurait été un peu l'abus, effectivement. Après, ce qui est cool, c'est que j'ai enfin réussi à trouver une alternance. Mais dû me perdre dans le fil de mes pensées quand je tapais et j'ai pas revérifié ce que j'ai validé. Ah bah bravo! Après toutes ces recherches et galères, un an et demi de recherche et plus de 250 candidatures grâce à un pote. Putain. Le pistonnage, j'accède de vrai. Effectivement, ça marche aussi beaucoup bien pour le taf. Mais bon, au moins. Au moins, ça fait quoi? Qu'importe le moyen. C'est fait quoi? Qu'importe le moyen. C'est moi qui sais plus lire. Il se sent bien ton corbeau? Je suis même pas sûr que ce soit le mien, Fabien, en vrai. En vrai, c'est pas vraiment du pistonnage. Il y a toujours une autre entrée. Celle de derrière. Putain. Pas mal, pas mal. Elle est approuvée, celle-là. Putain. Il m'a partagé une offre d'emploi, j'ai postulé, puis ils m'ont pris. Bah nickel. Bah tiens, le Saint-Bernard pense comme moi. Mais c'est lui qui me l'a repartagé, je le remercie éternellement, tu m'étonnes. Bah écoute, Empereur, ça faisait longtemps, donc on a des trucs à se dire. Ouais, non, mais je peux vous laisser en amoureux si vous voulez, les mecs. Hein. Pas de soucis. Hein. Il faut me le dire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est quoi la dame, là? Eh, hey, mais qui revoilà? Ah non, c'est elle, je suis con. Merci à toi. Je vous parle à la même, moi, putain. Donc, il y avait un arbre dehors et une autre entrée à trouver. Hein. Très bien. Alors, l'arbre, il est où? Il y a des arbres partout. Alors... Il est dans un bordel situé sous la taverne. Il existe une entrée secrète hors de la taverne sous un grand arbre. Sous un grand arbre. Ok. Que vois-tu, ma vieille amie? Alors, normalement... Je devrais trouver l'entrée. Bon, mon corbeau, s'il te plaît, respecte-toi. Trouve-moi cette putain d'entrée. Comment ça, je m'énerve? Oh là là, catégorie, je sers à rien. Même la carte, elle sera mieux renseignée que toi. Pas vraiment. Putain, il y a... Alors, il y a des entrées là, mais ça m'étonnerait.
Ça fait trop loin. Dans ce lieu, il y a un chat, sans doute pour éviter les meutes de rats. Oui, c'est même probable. D'ailleurs, il y a un trophée qui me dit que je vais devoir caresser tous les chats se trouvant à Amiens, je crois. C'est... Ouais. Il faut que je caresse tous les chats d'Aménoise. Et là, je sens que ce que j'ai dit va être très mal interprété encore une fois. Bon. Ah! Yes! Venger RIP Viking. RIP Viking. Oh putain. RIP Viking. Est-ce qu'on le salue pour son pseudo, lui? Je suis pas sûr, hein. RIP Viking. Non, j'ai rien dit. Ouais. Ouais, ouais, t'as rien dit. Incroyable. Alors attention aux émeutes de rats, hein. Une entrée secrète. Où peut-elle mener? Maintenant, trouvez le roi. Bon, par contre, les gens, ils ont une sale manie de crever dans le jeu, hein, visiblement. Attends, y'a pas quelqu'un, là? Wesh, j'ai même pas vu lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, plus grand des calmes. Est-ce que c'est par là? Le roi, il se trouve pas là quand même. Pourquoi je peux pas aller plus vite? Est-ce que j'ai trouvé? Je crois que j'ai trouvé le roi. Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que c'est la reine qu'il va falloir qu'on bute, en fait. D'après ce qu'on a pu lire dans les documents. Viens-tu m'importuner? Où sont mes gars? Des gardes ne viendront pas. Et ton évêque ne nous rejoindra pas non plus. Angèle Vin. Alors tu m'as rendu service, homme du Nord, en l'ignorant. Cet évêque était pour moi comme une épine dans le flanc. Que veux-tu exactement? Tes soldats s'en prennent au village des hommes du Nord. Ils nous attaquent de plus en plus souvent. Tu nous fais la guerre, Charles. Et cela sans cause. Sans cause? Ce sont mes terres. Un royaume accordé par Dieu. Vous êtes des envahisseurs, des démons, un fléau que je me dois de purger. Ma cause, c'est Dieu en personne. La guerre est une entreprise incertaine.
Elle peut commencer très bien quelque part, et s'achever très mal, loin de chez toi. La guerre est la guerre. Mais tu fais mention de l'Angleterre. Car je t'ai percé à jour, diable. C'est pour toi que tu plaides. Je cherche à conclure un accord qui sauvera beaucoup de vies. Peut-être la tienne. Vous envahissez une contrée par les armes. Et tu voudrais m'empêcher de vous repousser par la négociation ? Je suis roi. Tu es envahisseur païen. Tu te crois digne de parlementer avec moi ? Je me crois en mesure de te tuer, surtout. Mais tu vis encore. Est-ce là un signe de Dieu ? Qu'en penses-tu ? Cela pourrait marcher ? Oui, cela pourrait. J'entends poser une condition. Si tu réussis cette tâche, je serai plus disposé à songer à ta proposition. Un marché dans le marché. C'est digne d'un roi. De quoi s'agit-il ? Richard X, ma reine, a été enlevée. Je veux qu'on me la rende. J'imagine qu'il me faut d'abord la trouver. D'après mes espions, ces ravisseurs appartiennent à une faction, disons, zélée de l'Église. Je n'en sais pas davantage. En tout cas, son absence ne semble pas te troubler outre mesure. Pour un roi, le mariage relève plus souvent de la politique que du sentiment. Quoi qu'il en soit, je doute qu'elle soit en danger. Mais sois sûr de ceci. Je veux la retrouver saine et sauve. Si j'y parviens, accepteras-tu de laisser l'Angleterre en paix ? En paix. Un mot étrange dans la bouche d'un envahisseur. Tu prends encore tes désirs pour des réalités. Disons que ta réussite te permettra de t'asseoir à la table des négociations. Rien de plus. Nous nous reverrons avec ta reine, pour discuter de tes ambitions à propos de l'Angleterre. Entendu, diable. Si Dieu le veut. Maintenant, j'ai autre chose à faire. Eh ben, on se met bien, à ce que je vois. La reine est enlevée. Très intéressant. Discrétion vaincante. Les filles, les affaires sont bonnes et la présence de Pierre du Nord près des portes y est pour rien. Ce ne suffit pas pour autant d'appeler nos clients par leur vrai nom. Ils réclament de la discrétion et un devoir est de leur offrir. Les habitués nous ont indiqué comme il faut les appeler et ces noms sont écrits ci-dessous. Gardez-les en mémoire. Bastien, Fantôme P, Adabel, Gol, Bal, Nidine, Furderic. Un nom est absent de cette liste et vous savez tous lequel. Cela, vous l'appellerez Lutvard, sauf quand vous serez avec lui dans une chambre. Là, vous l'appellerez par son véritable nom, Richard Germain. Ok, encore une femme ici, mais rien d'autre. Je pense qu'on va sortir, hein. On a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait dans le coin. Allons retourner, allons retrouver la reine du coup, hein. Bon, rip viking. Par contre, ça devient chiant, ça, les... Les missions qui succèdent, là. Oh, bah, on est revenu là. Très bien. Coup de bol que tu sois pas arrivé au moment où ils étaient en pleine action. Ah bah... La réponse... Eh, c'est un jeu tout public. La réponse est vite fait. Est-ce que je retournerai pas lui parler ? On... Visiblement, on peut plus. Ok. Bon, bah, on sort, hein. On sort. Bon, on va essayer de quitter Paris maintenant sans trop se faire caler. On n'a plus rien à y faire de toute façon. Ah,
Ah, il y a encore des rats là-haut. Ah, c'est... je veux pas me remettre hein, de ce truc. Hein. En vrai, de vrai. Hein. C'est tellement cliché, je te dis, on va trouver des égouts demain. Hein. C'est incroyable. Bon, qu'est-ce que vous en pensez alors pour l'instant de ce début de DLC Siège de Paris? Je trouve qu'on a pas mal, je trouve que l'intrigue est pas mal mise en place, en vrai de vrai pour le moment. Et j'ai l'impression qu'on va partir dans Choisis ton camp. J'ai l'impression, c'est peut-être moi, je sais pas. Je pense qu'on n'a pas encore vu trop suffisamment pour... Enfin moi personnellement j'en ai pas vu suffisamment pour me donner un avis plus que ça, on va devoir attendre encore un petit peu. Mais pour le moment ça va. Ça donne quand même plus ou moins envie de continuer. À voir comment Siegfried va l'entendre, évidemment. Ça, c'est autre chose, parce que forcément, hein, s'il n'est pas d'accord avec nos projets, on se fait un ennemi supplémentaire. Ouais, on n'a pas encore assez vu, je pense. Oui, effectivement, parce que là, on a fait quoi? On est arrivé avec deux personnes. C'est encore assez court pour le donner. En tous les cas, ça fait bizarre de voir une mission qui n'a rien à voir avec l'ordre aussi. C'est vrai que dans les dernières licences de jeu, ça tournait vraiment autour. Là, on sent que c'est vraiment fini. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. D'ailleurs, ça me paraît trop simple pour que ce soit fini, mais bon. Clairement, vise de ne savoir la suite. Oui. Bah écoute, la suite, on va la continuer un petit peu, hein. De toute façon, on a le temps. Est-ce que je parlerai pas à Pierre tout de suite, là, en fait, avant de relancer une mission, parce qu'on retourne plus ou moins à la colonie. Je pense que je vais retourner voir Pierre, peut-être accepter une deuxième mission. De toute façon, on a 10 à faire des quêtes comme ça, donc on va commencer, on va activer la deuxième, même si on la fait pas tout de suite. Du coup, les amis, je pense que je ferai ça comme ça. Je ferai du coup toute la quête principale, on la fera en live. Toutes les quêtes secondaires et missions de ce genre, je pense qu'on les fera en let's play, que je ressortirai une fois le deuxième DLC fini. Puis ensuite, on attaquera la colère des druides. Vu que normalement j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas gênant. Et du coup, troisième DLC annoncé hein, également. Mais là, cette fois-ci, on réincarnera Odin. D'après ce que j'ai pu comprendre. Si tu désires d'autres tâches, dis-le-moi. Canard sans tête. Ça me va. Je ne t'imaginais pas amateur de chat. Je suis loin de l'être. Un des rebelles l'a ramassé lors d'une mission. Et cela a failli lui coûter la vie. Les animaux ont le cœur pur. Ce chat sera un compagnon fidèle jusqu'à la mort. Ah, ça j'en doute. Les félins sont des roublards. Ils ne suivent que leur propre intérêt. Comme moi d'ailleurs. Prédiction. Lorsqu'il aura bu et mangé à satiété, il disparaîtra à pattes de velours. D'ailleurs, à propos de disparition, les loyalistes se font moins nombreux. Nos missions portent leurs fruits. Dis-moi, t'intéresserais-tu à leur issue? Ma foi, nous changeons les choses, oui, mais c'est insuffisant. Et peu importe, tant que nous y trouvons notre compte, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as pour moi? Taxe oubliée. Nous sommes en difficulté, loyalistes ont pris notre cantement situé à Braia. En temps normal, nous ne faisons rien. Mais nous sommes dans sa hâte, il a laissé un document délivrant nos trajets de patrouille. Il va sans dire que l'ennemi ne doit pas mettre la main dessus. Récupère à tout prix ce document. Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor. Merci, Pierre. Bon, par contre, le respect pour le chat, c'est zéro, le mec. Hein.
Ouais, les shots, de toute façon, ils sont là que pour bouffer, et puis dès qu'ils ont la bouffe... Oh la vache! Amateurs de chats... Atteindre le rang 3 de la famille... c'est Majesté dans les ténèbres. Que je cherche. Et donc du coup, ouais, comme je disais, hein, le premier DLC, la colère des druides, qu'on fera donc après le siège de Paris, hein, parce que du coup j'ai commencé par celui-là, donc on va le finir. Et le troisième DLC qui va effectivement arriver, et on interprétera Odin, qui je crois ira dans le royaume des nains, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et notamment le quatrième DLC, hein, je sais pas s'il est prévu, mais celui évidemment de la rencontre entre Eivor et Cassandra. Grosse hâte, grosse hype. Pour l'instant on n'y est pas encore aussi, hein. Il y a encore des documents à lire. Pour le moment, je vais voir si je peux lire les deux documents qu'il y a dans la pièce, ça peut être intéressant. Ami Delou, tu es resté longtemps absent. Nous avons eu des ennuis. Angelvin est mort. Et nos amis les Francs sont atteints d'un mal que j'ai grand peine à comprendre. C'est une bonne chose. De plus, je te l'avais dit, tu sais maintenant qu'il est inutile de discuter avec eux. Et pourtant, je le dois. Un indice m'a mené jusqu'à leur roi. Charles et moi avons atteint les prémices d'un accord. Tu as rencontré leur roi ? Chercherais-tu à devenir mon ennemi, Eivor ? D'aucun n'a ramené que toi, et à présent, voilà que tu me défies ! Parle-moi plutôt de tes ennuis. Il y a eu une autre attaque. Et nous avons trouvé nos hommes de garde. Maudits soient ces affameurs de corbeaux. Je les ai triprés tous. Et tu aurais pu empêcher cela. Pourquoi ? Qu'est-il arrivé ? Tu verras bientôt la vraie nature de ceux avec qui tu pactises. Toka te montrera. Moi, je dois préparer notre vengeance. Ok. Viens avec moi, ami Delou. Tu te souviens de nos gardes disparus ? Pendant que Siegfried et toi vous occupiez d'Angelvin, je les ai cherchés. Mais sans succès. Et après cette deuxième attaque, nous les avons trouvés. Qu'est-ce que tu veux dire ? Où étaient-ils ? Eh bien, tu vas voir. Ok, c'est pas rassurant, ça. Je pense que ça va être dur, hein, quand même. Hein. Si on veut avoir la paix, il va sans doute falloir que je la travaille bien, hein. Il va falloir poncer les pierres, mais bien les poncer. Hein. On aurait juste s'il n'y a pas des rats dans le coin. Non. Voilà. Ne sont pas le fait de l'âme d'épée ou d'animaux. Ce sont les Francs. Comme tu l'as dit, un mal couve en eux. Leurs actes sont sans honneur. Ces hommes étaient mes amis. J'ai déjà vu ça. Il arrive que des gens disparaissent, et quand on les retrouve, ils ressemblent à cela. Toka, j'ai besoin de ton aide. Charles m'a demandé de retrouver sa reine. Si j'y parviens, j'empêcherai ce mal d'atteindre l'Angleterre. La reine se trouvait à Évreux hier, et cela en compagnie de prêtres. Tu la trouveras là-bas. Vous croyez que je passe ma vie à boire du vin et à coucher avec tout ce qui bouge ? Certainement. J'ai des yeux dans toute la Francie, et mes yeux voient beaucoup de choses. Des choses qui méritent mon attention immédiate. Quand tu auras le temps, passe me voir, Eivor. J'ai encore du travail pour toi. Je l'aurais bien vu blond, Pierre. Je sais pas pourquoi. Siegfried a raison, ami des loups. Tu as vu de tes propres yeux la lâcheté des Francs. Mais tu veux tout de même marchander avec eux. Je ne m'opposerai pas à mon oncle. Désolé, Eivor.
mais je ne peux pas t'aider. Tu as raison. Tu dois veiller sur ton clan, Toka. Comme moi sur le mien. C'est pour cela que je suis en Francie. J'irai seul à Évreux. Quand tu en auras fini là-bas, rejoins notre campement à l'ouest de Paris. Nous avons un siège à préparer. Je vais remettre mon micro en place, parce qu'il commence à me faire un peu mal à l'oreille. Ouais, je vais le décaler juste un petit peu. Pour tenir les armées de Charles loin de l'Angleterre, je dois retrouver sa reine. On l'a vu avec des prêtres à Évreux. C'est là que je dois aller. Bon. On sait où se trouve la reine. Donc on n'a plus qu'à y aller. Mais avant, on va sans doute faire trace oubliée. On va aller récupérer le document tout de suite. Ça me paraît pas trop mal, vu qu'on est à côté. Et ensuite, je pense qu'on ira tranquillement du côté d'Evreux retrouver la reine. Et puis, quand on a retrouvé la reine, je pense que ça sera un bon moment de conclure ce live. De toute façon, on revient jeudi, hein. Donc, on revient assez vite. Donc, demain, Brotherhood. D'ailleurs, bon, je vais pas vous dire, parce que je vous l'expliquerai dans mon green point demain. Mais du coup, ça va très bien pour le moment, que ce soit au niveau Brotherhood ou au niveau Origin. D'ailleurs, Platinum sur Origin. Hein. Voilà, vous aurez l'occasion de le revoir dans le Let's Play, le tout premier DLC sur Origin. Hein. Mais ça y est, j'ai le trophée Platinum sur Origin. Un petit moment que je l'attendais et ça y est, il y a quelques jours de cela. Bon, j'ai pas encore le 100% parce que j'ai énormément de choses à finir, notamment le deuxième DLC qu'on fera en live, hein, évidemment. Et j'ai très hâte, hein, d'être en live. Ça arrivera, allez, pour petite information, fin novembre, on sera en live du coup sur Origin. Et là, par contre, ça va être génial, hein, parce que il était trop bien ce premier DLC. Va voir, c'est dit. Oh merde. Arbalétrier. Là-haut. Mon fils, le temps manque car les païens ne sont plus loin. Si je péris, j'aimerais que tu reviennes. Que tu reviennes nos biens de famille. Que tu reviennes les biens de famille. Ils sont ton héritage. J'ai caché le coffre sous la salle de fermentation, l'entrée secrète, et non loin de là où tu te cachais avec tes frères dans la remise. Ton père aimant, Alberus. Encore une fois, un nom bien français, hein. Ok, on va aller récupérer ça. À mon avis, c'est l'information qu'on cherche, je pense. Et j'ai perdu aucun rebelle. Donc du coup, parfait. Donc il faudra donner ça à Pierre. Mais on verra ça à la fin de ce live. Parce que là, il est temps de retrouver une reine. Bien joué. Bah, ça va. Je te remercie, le Saint-Bernard. Mais en vrai, ça va. C'est... Là, Valhalla, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il y a vraiment 2-3 trucs très très chauds. Mais c'est vrai que du coup, je suis content quand même. Je suis très content. Surtout qu'Origin est un bon jeu. Hein. On va pas se mentir.
Bon, allez. Direction Évreux, les amis. Et on va tenter d'essayer de retrouver la reine. Alors, est-ce qu'on va réussir à la retrouver vite? Et surtout, est-ce qu'on va réussir à la retrouver en un seul morceau? Ça, c'est les vraies questions qu'on peut se poser, mais bon. On va savoir ça dans très peu de temps. Et après, il faudra convaincre Siegfried de faire la paix. Et ça, par contre... Je pense malheureusement que ça va être très très compromis. Hein. J'ai vu un pont, ouais, il est là. Sinon, comment s'est passée votre journée? Parce que c'est vrai que du coup, je vous ai pas posé la question. Yo. Chartres. Ah. Je savais pas qu'elle était dans le jeu. Petite balade dans la Francie, ça fait toujours plaisir. Hein. Ok, vrai saint. Bon, je découvre un petit peu la carte, hein, du coup, j'en profite. J'aurai des trucs à faire hors caméra aussi, hein. Tous les trésors, les artefacts... Ça change pas. Durocas, très bien. On level up moins souvent aussi dans le jeu, je remarque. Hein. C'est pas plus mal. Quelqu'un pourrait me renseigner historiquement parlant, donc de la Francie des années 900, est-ce qu'il y avait de la peste à cet endroit-là? Parce que là, je soupçonne la maladie que ça pourrait être la peste, mais est-ce que c'était la bonne époque? J'ai un doute. Ils vont pas me laisser passer aussi. Que je vois pas quelle maladie autre que la peste pouvait se trouver à cette époque. Mais il me semble que la peste c'est un peu plus le Moyen-Âge. On est déjà dans le Moyen-Âge ou pas là? Il arrive après, non? Voilà, je sais plus maintenant moi, putain. Quelqu'un se souvient des dates du Moyen-Âge? Bon, on arrive à Évreux, hein. Bah écoute, visionnage de vidéo, et j'ai joué en mode mercenaire d'Airstone en parallèle, mais en somme pas grand chose, et toi? Si tu ne te presses pas, nous allons se rassemble. Mais pourquoi? Moi je commence mon contrat en novembre, lundi, mardi, mercredi je poche, jeudi, vendredi je suis à la fac, donc j'ai rien foutu aujourd'hui. Bah t'as raison, t'as, profites-en. La peste c'est bien plus tard de souvenir. La choléra peut-être. Oui, on est en plein Moyen-Âge, 500-1492. Ah ouais, ça démarre en 500. Donc oui, là, on doit être en 900 et des poussières. Donc ouais, c'est bien ça, on est dans le Moyen-Âge. Mais du coup, ça, ouais, peut-être le choléra. Je sais pas. Parce qu'il me semble, ouais, effectivement, je suis un peu comme le Saint-Bernard. Il me semble que la peste démarre bien plus tard que ça. Hein. Aucune idée, j'ai pas de souvenir. Mais bon, des épidémies, on a eu un peu tout le temps à l'époque. Chute de l'Empire romain, découverte de l'Amérique. Ouais, peste, c'est 16e-17e siècle. C'était si tard que ça, la peste? Je la voyais pas si... Enfin, là, c'est 17e, 18e siècle, ça fait loin, mais c'est encore assez relativement récent. Hein. Je m'attendais que ça soit beaucoup plus loin que ça, en fait.
D'accord, bah écoutez, je vous crois. Je vous crois. Ouais, donc je sais pas. Est-ce que c'est la Covid-19? Non. On va peut-être dire ça, mais bon. Oula. Nous péchons tous. Nul ne peut se targuer d'être pur. Et tous, nous serons jugés par Dieu. Alors, cherchons la délivrance. Par la grâce de Dieu, Petite Mère est là pour nous aider. Elle va bientôt commencer. Rendez-vous tous à l'église. Ils se regroupent quelque part. Peut-être savent-ils quelque chose au sujet de la reine. Sit faciam wimporferium et ambulato periuga. Lantum canibus ad olibitque felini mendacium et humilis. La peste et celle des croisades 1100 et quelques puits vers 1300, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'on peut parler également à eux, ouais, effectivement. Une patrouille s'approche dangereusement de notre position à Sing Sil. Il en faut l'écarter, définitivement. Très bien. Attends. Mortelle diversion. Bon, je crois qu'on va faire un tour à l'église, hein. Tabes et feli solo tumuit armis venit pluviali. Vel fortibis oida mores necne. Non, j'ai rien dit, c'est la gravure que j'ai trouvée datant du 16e siècle. Ok. Assieds-toi où tu peux. Petite mère va bientôt commencer. Allez, ce sera parfait ici. On verra bien hein, sinon les amis, mais c'est vrai que bon des. Je suis pas expert non plus en grande maladie de l'histoire. D'un autre côté, certains diraient que c'est peut-être pas plus mal, mais. Bon, on est pas là pour ça. On va d'abord essayer de retrouver la reine. Les eaux sombres me recouvraient. Puis sa sainte lumière est apparue et oh, la gloire de sa clarté. Vous vous rappelez du miracle de Saint-Aurin qui a ramené à la vie la jeune fille brûlée. Moi-même, enfant, j'ai été brûlée et j'ai frôlé la mort. À son autel, le saint est apparu, m'a touchée et m'a guérie. Le temps ne peut altérer le corps sacré d'un saint. Il m'a touché pour qu'aujourd'hui, je puisse vous toucher aussi. Non. Loki lui-même ne trouverait pas meilleure histoire. Dieu est lumière. Mais qu'avez-vous fait dans sa clarté? Chacun de vous se borne à suivre un chemin et s'égare dans les ténèbres. Le diable s'est emparé de vos pensées, de votre cœur et même de votre corps. Nul n'est à l'abri. Qu'il soit pauvre, qu'il soit roi, ou même reine. Choisissez dès ce jour qui vous servirez, car le jugement approche, et avec lui viendra la délivrance ou la damnation. Prions maintenant. Elle a disparu. Et ma voisine d'à côté aussi d'ailleurs hein. Cette petite mère sait quelque chose sur la reine. Il faut que je la retrouve. Elle est pas mal celle-là putain. Bon par contre on évitera de parler de Loki s'il te plaît Eivor hein. Ouais, on est bien d'accord hein. Tu es inquiète. C'est mon mari. Il est parti pour la délivrance et il n'est pas revenu. Cela fait des jours.
Oh, tout est ma faute. Parle-moi de la délivrance. Mon mari s'apprêtait à me quitter. Pourtant, il m'aime. Le diable avait dû entrer en lui, forcément. Nous l'avons envoyé à Aquila pour un rite de délivrance. Petite mère a dit que cela chasserait le démon. Les rituels ont lieu à Aquila ? Oui. Petite mère y possède un sanctuaire. Oh, mon pauvre mari. Tu crois qu'il va bien ? Je crois que tu devrais te préparer au pire. Et prier ton Dieu qu'il t'offre le meilleur. Oh. Oui. Je dois prier. Je dois prier. Je dois aller à Aquila, où se déroulent les rites. Y'a rien ici ? Non. Sœur du chagrin. C'est bon que ça inspire confiance, hein ? Faudra que je fasse les points d'observation aussi, ça me permettrait de me téléporter un peu plus vite. Hein. Faudra que j'y pense à un moment, même si c'est pas encore trop gênant. Ah putain, ils nous ont remis encore le coup des feuilles volantes là, putain. Ça aussi c'est merdique. Bon. Oui, sinon, c'est bien. Il y a eu trois pandémies de peste au 6e, 7e siècle, la deuxième au 14e, 17e siècle, et une dernière entre 1850 jusqu'au début du 20e siècle. Ah ouais, quand même. Ça fait que trois pestes, putain. Ou même Rennes, subtil comme info. Ouais, c'est même l'info, je pense. J'ai regardé visiblement entre le 5e et le 15e siècle, les pandémies ont été frappées, étaient souvent des variantes de la peste ou de la variole. Ok. Donc c'est probablement une variante des deux. Je pense qu'ils sont pas fait chier à trouver... Ah, quoique Ubisoft, pour avoir commencé le Discovery Tour de l'Egypte. D'ailleurs, les amis, hein, on fera les Discovery Tours. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Discovery Tours, alors, je parle plus pour Fabien et puis pour le Saint-Bernard, parce que je pense que Talge, lui, sait ce que c'est. Enfin, je pense. Donc, le Discovery Tour, en fait, il s'agit tout simplement d'un mode de jeu. Qui n'a plus ou moins rien à voir avec le jeu en lui-même. Et en fait, on a exactement la même carte. Donc là, ça sera sans doute la carte de l'Angleterre pour ce Valhalla, comme ça peut être la carte d'Égypte. Et en fait, on va retracer l'histoire. On va vous raconter les histoires. C'est-à-dire que là, dans Origin, on va nous montrer la création des pyramides, ce qu'ils ont découvert dans les fouilles, comment a été fabriqué le phare d'Alexandrie, comment les murailles ont été créées, la religion égyptienne, l'histoire de Cléopâtre, les Romains et Jules César. Et en fait, ils ont fait un Discovery Tour, du coup, pour les trois derniers jeux. Donc, Origin, Odyssée et Valhalla. Du coup, j'ai commencé celui d'Origin. Donc, du coup, je vous fais un esprit là-dessus. Je vous le recommande vivement. En gros, pour faire très simple, c'est on incarne un personnage. Ça peut être quasiment n'importe lequel. Hein, on a un choix multiple. Et en fait, on se balade sur une carte. Pas d'agression, rien. Et en fait, on découvre des choses. La faune locale égyptienne, les animaux de l'époque, comment le Nil est disposé. Il y a vraiment des informations de tout. Oui, exactement, Fabien, c'est très intéressant. Et ben, il faut savoir que j'ai effectivement commencé ce mode. Et donc, du coup, je suis en train de l'enregistrer. Donc, des petits épisodes de 25 minutes où, en fait, on écoute. Et surtout, le truc que je trouve très intéressant, c'est que Ubisoft nous explique des choses dans la création de leur carte. Par exemple, ils expliquaient que pour les différents métiers égyptiens, ils se sont basés sur certains endroits du Maroc qui, d'après leur information, ressemblaient un peu ça à l'époque. Et franchement, ils ont bien travaillé dessus. Et du coup, donc, il existe celui sur Origin que j'ai commencé. Il y a celui sur Valhalla qui est sorti, c'était quand le 16 ? Avant-hier, je crois. Il est sorti le 16. Du coup, suite Valhalla est disponible aussi. Et il y a suite d'Odyssée aussi. Donc du coup, une fois que Origin sera fini, je referai suite d'Odyssée. Donc du coup, si vous souhaitez évidemment savoir un peu plus sur les histoires des personnages peut-être, de comment Ubisoft a par exemple créé, pour donner un exemple, l'église. Comment est-ce qu'ils ont créé cette église? Sur quoi ils se sont inspirés pour la créer? Et du coup, c'est très intéressant et c'est en forme de let's play. Et en fait, on fait que de marcher et de regarder des lieux à laquelle je passe en vitesse, tout simplement. Là, par exemple, quel exemple je pourrais vous donner? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce coin-là. Non, il n'y en a pas. Mais par exemple, il y a des détails, comme par exemple ceux qui travaillent. On passe souvent à côté, mais ceux qui travaillent, par exemple, ils font peut-être un travail d'époque. On a notamment un épisode où on parle de la fabrication de la bière et la fabrication du pain dans l'Égypte antique. Comment est-ce qu'ils faisaient pour fabriquer de la bière et du pain? Combien de temps ça pouvait se conserver? Qui en bénéficiait? On parle également des familles, des classes sociales différentes qu'il pouvait y avoir en Égypte. Et franchement, on a un peu de tout.
Donc que ce soit de la religion, guerre, politique, etc., etc. Donc c'est le Discovery Tour, c'est quelque chose qu'ils ont plus ou moins inventé. Donc si ça vous intéresse, je ferai du coup les trois Discovery Tour, celui de Odyssée, Origin et Valhalla. Alors pour celui de Valhalla, vous m'excuserez, mais ça va pas sortir avant un petit moment, parce que je tiens quand même à faire tous les DLC d'abord. Donc il y aura celui-là, plus la Colonne Dreadwit, plus le troisième. Donc ça va être un petit peu long, potentiellement aussi un quatrième. Et puis celui sur Origin après le deuxième DLC, hein. Et du coup celui sur Odyssée une fois que j'aurai réinstallé le jeu, du coup, parce que c'est l'une des rares choses que je n'ai pas fait du coup sur Odyssée. Donc ouais, c'est très intéressant, et Ubisoft a, je pense, une excellente idée de nous proposer tout simplement un petit mode comme ça. Donc si ça vous intéresse, j'ai déjà enregistré quelques épisodes sur Origin, donc voilà. Le Discovery Tour. Mais tu connaissais pas ça, Talj? Le Discovery Tour? Tac. Bien que la variole a visiblement surtout touché la Russie, Asie et la peste plus l'Europe. Ok. Ouais, Discovery Tour, c'est vachement bien. T'en avais fait, Talj, sur Odyssée ou Origin? Ou t'as peut-être fait Suite Valhalla? Non, Suite Valhalla, tu l'as pas fait. Si t'as désinstallé le jeu, je pense pas. Maison de petite mère. J'ai trouvé sa baraque, mais elle n'est pas là. On va bientôt level up. Si. Ah, t'as fait quel Discovery Tour alors? Origin, Odyssée ou Valhalla? J'ai fait celui d'Origin et Odyssée aussi. Oh putain. Tu t'es baladé avec qui alors, Origin? Sans trop spoiler, Fabien et Saint-Bernard. Oh là, assassinat de petite mère. La nonne surnommée petite mère tient Évreux sous sa coupe grâce à son évangile de frayeur et de feu. Et la reine Ricinine est dans un avant à Saint-Merci, explorer Akia afin de trouver petite mère. Un peu de discrétion s'impose. Moins j'attirerai l'attention, plus il me sera facile de trouver la reine. Pas du tout, mais certains lieux que j'aimais bien. Je sais même pas. Aya, je crois. Ah, ok. Aya, je l'ai fait aussi. Je crois que j'ai fait tout le monde. Me semble-t-il, de mémoire. Mais ouais, je trouvais ça très intéressant, le Discovery Tour, hein, par contre. Hein. C'est une bonne innovation qui change un petit peu la vision du jeu, je trouve. César pour le LOL, peut-être MDR. Et Cassandra, sinon. Alors, Cassandra, je la prendrai forcément dans Odyssée, ouais. César, j'ai pris aussi. J'ai pris Reda, le poteau Reda, aussi. Très intéressant. Je pense qu'il va me falloir la clé du mec, là, à mon avis. Hein. J'ai perdu ma famille. Dommage. Bon bah tant pis hein. Oh là. Olé. Ah non, j'ai pas volé. Ok, est-ce que j'ai chopé la clé du poteau? Ah, elle est là. Ah, elle était même pas sur lui. Elle doit ouvrir quelque chose près d'ici. Tu vois, ça n'ouvre pas la porte, elle va ouvrir la crypte. Reda PTDR trop fort. Ah oui, non mais oui, il y a des trucs sympas, les personnages à jouer. Donc vous inquiétez pas, je vous le sortirai hein, du coup les Discovery. Mais faudra juste attendre un petit peu parce que du coup... Et c'est long aussi, hein. C'est très très long. Hein. Bon, est-ce qu'il y a encore des rats? La poussière dégage une odeur de sang. J'ai comme le goût du fer sur ma langue. Level up.
Un sarcophage chrétien. La plupart sont anciens, mais celui-là est récent. Jamais été autant discret de ma vie. Quoi qu'en disent les Bellacor, c'est la reine. Petite mère ne lui fera sûrement aucun mal. Ce ne serait... Ah, tu m'as fait grand peur. Est-ce que tu fais partie des nouveaux ? C'est bien, c'est très bien. Oui, on m'a envoyé ici pour aider. Tu as mal choisi ton moment. La reine est retenue là-dedans. Je ne trouve pas ça bien, je n'y arriverai pas. Moi si. Dis-moi ce qu'il faut faire. C'est vrai ? Bon, petite mère veut qu'on trempe son couteau dans du sang sacrificiel. Il est sur la table. Ensuite, apporte-le-lui. D'accord. Je vais préparer le couteau et l'apporter à petite mère. Toi, reste là. Ce couteau est de qualité. Mais la lame est émoussée. Il ne coupera pas bien. Il faut que je le trempe dans le sang. Exhortation destinée aux Zen novices. Le couteau doit être parfaitement préparé. Le diable a l'œil sur nous. Il saurait y avoir d'erreurs. Les aides qui nous ont préférés ont payé cher leur négligence. Alors faites preuve de vigilance. En pénétrant dans la salle des préparatifs, vous entrez dans un tablerin divin. Usez d'attention et faites toujours... Montrez humble et obéissance. Prenez le couteau et trempez dans la lame dans le sang du sacrifice. Le sang ne doit pas atteindre le manche. Une fois la lame trempée dans le sang, y touchez plus. Elle devient alors sainte. Entrez dans la salle inférieure. Avec déférence sur mon regard, le couteau me sera présenté, manche en avant. Garde les yeux baissés, ne prononce pas un mot, ne regarde pas. Après avoir remis le couteau, partez promptement sans faire le moindre bruit. Si vous agissez ainsi, aucun mal ne vous frappera. Le diable ne pourra pas s'en prendre à vous, petite mère. Écoute. Ah, là le sang. Donc. Délivrance à un prix élevé, on dirait. Belle salle de torture, hein. On approuve. Ah, je pense que c'est là qu'il faut verser le couteau. Bon, Ivor sait comment faire. Le couteau est couvert de sang. Je peux m'en servir pour approcher de petite mère sans risquer de nuire à la reine. Il y a quoi là-haut ? Encore des documents, je pense. Ah, une clé. Si j'attaque, il risque de tuer la reine. Il faut que je réussisse à l'approcher sans éveiller les soupçons. Une fois que tu tiendras la reine, tu devras agir vite. Son enlèvement ne devra pas être découvert. La reine représente la clé suprême de la délivrance de la franchise. N'attends pas qu'elle y est consentante. Ne tente pas de la raisonner. C'est Dieu en personne qui nous l'a livrée. Alors il nous appartient d'accomplir notre devoir. Sage-le le démon sans subissant le moindre doute. Si tu es interrompu avant la conclusion de cette tâche, elle devra mourir de ta main. Nous ne pouvons pas la laisser en vie sous l'emprise du mal, de crainte qu'elle influence de nouveau le roi. Ne te soucie pas de la sérénité de ta mission, c'est pour la mener à bien que tu as été créé et que Dieu t'a accordé son salut. Il t'a gratifié de dons uniques, faisant usage avec la certitude absolue d'avoir sa volonté au profit de la Francie et de son royaume. Sode Gloria, Isonous. Ok. Moi j'ai récupéré une autre clé. Puis let's go, hein, la porte est là. Mes instructions de Dieu, comme tu le verras bientôt. Où est mon assistant ? Je ne peux pas commencer sans mon couteau. J'arrive. Et elle est retenue par petite mère. Ces hommes sont ses meilleurs gardes. Mieux vaut ne pas les attaquer directement. Je pourrais peut-être détourner leur attention.
J'avais le couteau, hein, sinon. Hein. Ah, ok, vous voulez vous battre, oh là là. Mais les mecs. Hein. Ça arrive, hein, votre majesté. Ah, viens là, toi. Est-ce que tu connais le... Est-ce que tu connais Excalibur? Non, tu connais pas. Est-ce que tu connais le marteau de Thor? Ben maintenant, tu vas connaître. Ah, poison. Puissance 498? Ah ouais, elle est plus balèze que moi. Mais bon. Je roule sur du 498, quoi, à un moment donné. Il est où? Je me sens bien. Bon, une de plus. Et voici, je te ferai sûrement échapper parce que tu t'es confié en moi. Sa mort m'attriste grandement. Elle n'a pas toujours été ainsi. Elle était trop jeune. À n'en pas douter, tes méthodes sont sans appel. Mais ta venue est bénie du Seigneur. Tu es originaire du Nord, n'est-ce pas? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et ce n'est pas un dieu qui m'a amené. Je suis là sur demande de ton mari le roi. C'est Charles, mon mari, qui t'envoie? Nous en parlerons plus tard. Nous devons partir avant d'être découverts. Je connais un moyen. Suis-moi. Salut. Je voudrais remercier de m'avoir sauvé, étranger. Ton geste est très courageux. Oublie le courage. J'ai tout simplement... Meute de rats, putain. Celui de te ramener jusqu'à lui. Allez, oust. Des rats. C'est à cause de la peste. La vermine a de quoi se nourrir. Ah, ils peuvent pas se barrer, putain. Alors, attends. Oh la vache! Ah, les bâtards! Vous voulez prendre un coup de marteau de Thor dans la gueule? Ah, ça s'enfuit, là, d'un coup! Ils ont un sacré réflexe, en fait. Faut que j'arrive à déplacer le truc. Oh la vache! Ils vont me tuer! Les bâtards! Hein? Attends, je régénère? Mais d'où? Mais wesh, c'est quoi qui me régénère? Attends, j'ai... Qu'est-ce que j'ai pas eu dans Excalibur ou le marteau de Thor, là? Marteau de Thor. Probabilité d'infliger des coups d'étourdissement aux ennemis. Tac, 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 c'est pas le marteau. Et Excalibur, tac. Les coups au chef puissant aveugle les ennemis aux alentours. Mais c'est quoi qui me régénère? Très bien, il y a rien qui me régénère et pourtant je récupère de la vie. Très bien. En plus, une régénération de type efficace. Bah oui, ça met 10 secondes, même pas. Par contre, je suis censé faire comment là? Parce que ces maudits rats, ils vont me faire chier en fait. D'accord, donc c'est bien la peste, hein, on a la confirmation, hein, du coup. Hein.
Est-ce que j'ai pas quelque chose dans mes trucs qui pourrait m'aider? Non. Alors, essayons notre méthode. Bon, votre majesté, vous bougez pas, hein. Je sais pas comment je vais faire. Attends. Ah, le trou que t'es là-haut, putain. Allez, oust. Ouais, il y a un truc qui me fait régénérer, mais je sais pas quoi. Ah, il y en a moins, là. Non. Voilà, putain. Comment on fait pour passer? Comment je peux déplacer le truc sans que les rats m'attaquent, en fait? Bon, j'ai trouvé l'animal le plus dangereux du jeu. Par contre, ils étaient peut-être pas obligés de le mettre des yeux blancs, hein, parce que c'est vrai que ça fait un peu flipper quand même. Hein. Incroyable, putain, je m'attendais pas à celle-là. Hein. Putain, je vais taper comment? Quelqu'un connaît un dératiseur pas trop cher là? Pour atteindre, repousser les meutes de rats. Puis y a rien pour m'accrocher, je pense. Alors déjà, première chose. Voilà. Pour laisser, c'était les sangliers. Pour voilà, là, c'est les rats. Ouais, clairement. Mais les sangliers, c'était sympa encore, je pense. Ah non, y a rien en dessous. Vaincre Odin, easy. Une dizaine de rats, Mjolnir, Excalibur sont inefficaces. Ils te défoncent en deux secondes. C'est ça le pire, je crois. Oh. Ah. Moi je dis à la guerre comme à la guerre, hein. Ah ouais, les rats survivent au feu en plus, mais de mieux en mieux. Allez dans le trou. Allez, maintenant. D'autres viendront. La région connaîtra un peu de répit. Voilà. Incroyable. Ah, mais celle-là, quoi, putain. Ah. Non, c'est bon. Dieu a fait de toi son instrument en ce jour, sache-le. Mais désormais, je dois me mettre en chemin, car on m'attend quelque part. Ce n'est pas ton dieu qui t'a libéré, c'est moi. Et je ne l'ai fait que pour te ramener à ton mari.
Alors c'est là que nous allons. Tu crois qu'en faisant quelque chose, Dieu n'est pas derrière tes actions? Dieu s'est servi d'un âne une fois. Il peut user de tous, même de toi. Oui, si tu veux. Mais nous allons voir Charles. Tu apprendras que Charles n'a que faire de nous. Je peux te faire confiance, je le sens. Car je perçois l'étrange dessein de Dieu à travers toi. Je vais te montrer ce que désire Charles. Qui me dit que tu ne cherches pas à me berner? Certes, oui, je le pourrais. Mais c'est loin d'être le cas. Ne sens-tu donc pas la main du Seigneur derrière tous ces mystères? Je vois surtout que ton Dieu s'arrange pour ne pas te donner tort. Tu me plais, Ivor. Je vois pourquoi Dieu t'a choisi. Et pourquoi nous devons être amis. Faisons route ensemble. Level up. Le gambit de la reine. Donc pas de level up encore. Bon les amis, on ramène juste la reine et après on mettra sans doute un terme à ce live. Il t'aurait prévenu tout à l'heure, les rats sont immortels au seul.fm, c'est de tomber dans les trous. Oui, je sais, mais le problème c'est que du coup, je pensais en fait, Fabien, qu'il y avait un trou sous la plaque là. Tu sais, le truc à déplacer. Je me suis dit, ça se trouve, il y a deux trous en fait. Et en fait, non, il fallait juste tirer sur les rats pour les attirer dans le trou. Mais une fois qu'ils sont dans le trou, le mettre au-dessus. Donc maintenant que je l'ai compris, ça va être un peu plus facile pour les prochains. Mais le souci, c'est qu'effectivement, c'est de la bonne saleté ça par contre, hein. Mais du coup, on a bien la confirmation, c'est la peste. Hein. Alors, une variante, je pense, évidemment. Tu sembles fier de Charles. Tu l'as aimé. Crois-tu? En un sens, oui, je te l'accorde. Mais nous n'avons jamais vraiment été mari et femme. C'est joli, hein. Il ne t'aime pas? Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pu être ce qu'il désirait. Mais c'est un homme, après tout. Et il a trouvé du réconfort ailleurs. Et souvent. Cette nonne, petite mère, elle allait te tuer. C'est possible, oui. Ses rites de délivrance étaient violents et cruels. Peu y survivaient. Euphrasie appartenait à un groupe secret qui pense que la Francie a sombré dans l'apostasie. Elle me croyait possédée. J'imagine que l'évêque Angélevin en faisait partie. Tu connais Angélevin? En effet. Ils se font appeler les Bellator Dei, les guerriers de Dieu. Et ils sont morts. J'ai l'impression qu'on retourne à Évreux, là, non? Ah non, on va à Lislieux. Ok. Bon les amis, avant de nous quitter, on fera le level up, hein, évidemment. Bon, on a 4 points d'aptitude à mettre. Enfin, 4 points de compétence. Aptitude, c'est dans les autres. C'était un bon live, oh, quand même. On s'est bien amusé, hein. Quand même, pendant 2 petites heures, là, c'était sympa. On revient jeudi, hein, les amis, mais on sera sur Twitch, du coup. Veille sur moi. Souviens-toi, mon petit. Hé, il s'appelle Bernard. Allez, va donc te laver. Il y a plus de couleurs sur ta chemise et ta frimousse que sur ce portrait. Il peint magnifiquement pour un enfant, tu ne trouves pas? Il t'a appelé par ton prénom, me semble-t-il. Oui, cela peut paraître étrange, je sais. Mais je ne suis pas sa mère. Alors, contre mauvaise fortune... Bernard n'est pas ton fils. Comment pourrait-il l'être? Mais je l'aime, oui, comme un fils. Je te l'ai dit, il n'y a rien eu de charnel entre Charles et moi. Mais c'est un homme et un roi. Il a trouvé sans peine d'autres moyens de satisfaire ses envies. Et Bernard en est le fruit. Tu caches son existence à son père? Charles voudrait que Bernard lui succède sur le trône. Et Bernard, lui,
est prêt à tout pour plaire à son père. C'est pourquoi je dois tenir Bernard à l'écart. Charles mènerait cet enfant sur un chemin obscur, indigne d'un roi bon et juste. Oui, mais mon accord avec Charles se limite à te ramener. L'enfant n'en fait pas partie. Et c'est bien mieux ainsi. Bernard sait trouver une église, s'il a besoin d'aide en mon absence. À nouveau, je dois m'en aller. Mais à mon retour, je t'interrogerai sur tes verbes latins. Je sais que tu vas voir père sans moi. Je ne suis pas un idiot, tu sais. Tiens-tu Bernard à l'écart de Charles pour l'empêcher de devenir roi ? Tu te méprends à mon sujet, Ivor. Pour le bien de la Francie, Bernard doit monter sur le trône. Tu as bien vu ce que Charles est devenu. Bernard est encore bien jeune. Mais il ferait un bon souverain. Et un roi plus amène envers ton peuple. Si Charles veut voir l'enfant, il sera mécontent de te voir sans lui. J'espère que ce ne sera pas le cas. Charles sait que mes ravisseurs sont les Bellator. Il doit être inquiet. Vois-tu, nous sommes en assez mauvais termes ces temps-ci. Mais il t'a envoyé. Peut-être cherche-t-il la réconciliation. Bon. Bah, j'en connais un dans le chat qui a quelques explications à nous fournir. Hein? Mais ce n'est pas un saint. Et sa mère est une sainte. Le saint Bernard. Tu vas être roi, mon pote. C'est pas beau, ça? Être enfant bâtard, ça finit toujours mal. Bon. Le saint Bernard. Dis-nous tout. Hein? C'est comme quelle coïncidence, hein, dis donc. Ah là 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 là. Non, mais n'empêche que quand même, parmi tous les prénoms qui auraient pu tomber, il y avait soit Fabien, soit Bernard. En vrai de vrai, la coïncidence, ça n'existe pas. Nous tous. Bah, pourquoi elle descend ? Tour s'est blessée. Attends, elle n'en sera que plus dangereuse. Ce n'est rien. Dieu est avec toi. Sois plus prudente, d'accord? Allez, va. Ce sont de nobles animaux. Elle avait perdu espoir. Elle va mieux à présent, grâce à Dieu. Tous les ours sont aussi doux en Francie? Toutes les bêtes du Seigneur sont sensibles à l'amour et à l'amour. Et encore plus lorsqu'elles souffrent. En cela, elles ne diffèrent en rien des hommes. Tu as un don avec les animaux. Mais c'est aussi de Charles que tu parles. Tu penses que cela s'applique aussi à lui? Surtout. Eh, le Saint Bernard, on est bien d'accord, ça vient d'un chien. Un chien, c'est un animal. Il y a des trucs, hein. À un moment, il n'y a pas que des coïncidences, hein. Je suis désolé, hein. Mais là, pour le coup... Qu'est-ce que tu vas bien répondre à ça, hein? Oh la vache, putain. J'ai honoré ma part du contrat. Voici ton épouse, la reine. Saine et sauve. Charles. Ma chère femme. Enfin te voici auprès de moi. Tu dois avoir envie de te rafraîchir après un voyage si long et si mouvementé. Toujours en colère. Tout ceci est inutile. Je te suis restée aussi fidèle que je le suis envers Dieu. Je suis désolée d'avoir emmené Bernard, mais... Ah oui, mon fils. J'avais espéré le retrouver en même temps que toi. Mais je ne le vois pas. Où est Bernard? Dans le chat. Te rappelles-tu le soir de notre rencontre? Je ne l'ai jamais oublié. Le ciel était clair et scintillait de milliers d'étoiles. Et au soir de notre mariage, c'était la même chose. J'ai pris cela pour un signe de Dieu. Nous étions faits l'un pour l'autre.
Tu étais en blanc. Pureté et grâce incarnée. J'ai pensé, ce soir, je ne suis pas un prince. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Mais mon épouse n'a pas tardé à rejoindre la couche encore tiède d'un autre. Je n'ai jamais été ton époux, mais seulement ton bouffon. Charles, nous... À notre mariage. Notre accord, Charles. Oh. Ne t'inquiète donc pas pour Bernard, Richardis. C'est mon fils. Libéré de ton emprise, il saura me trouver. Quant à toi, diable du Nord, qui se croit digne de s'asseoir face à un roi de Francie, le voilà ton accord. Ah. Tu m'as menti. Je n'ai pas menti, diable. J'ai évoqué la volonté de Dieu, et la voici. Ah putain, pourquoi vous voulez encore vous battre? C'est énervant ça. Je suis intouchable dans le jeu, sauf s'il s'agit de rats. Il y a quelque chose qui me redonne des PV, mais je sais pas quoi. Bon, les cavaliers sont chiants. Ceux qui prennent soin de terre. Je ne t'ai pas tout dit à propos de Charles. Pardonne-moi. La vérité est humiliante et je n'en ai pas vu l'utilité. Il est persuadé que tu es infidèle. Ses accusations sont incessantes. J'espérais naïvement qu'il se serait ravisé. Crois-tu vraiment qu'il nous aurait fait tuer ? Oui. Maintenant, Paris va tomber. Et cela à cause de Charles. Siegfried avait donc raison. Ne condamne pas Charles. De même que cet ours, il peut se ressaisir avec l'aide de Dieu et devenir ton allié. Je ne partage pas ta foi en ton Dieu, ni en ton mari, même si tu fais preuve d'un honneur rare. Merci. C'est un compliment de valeur. Pour ma part, je ne pense pas que Dieu en ait fini avec toi. Notre rencontre était écrite. Je dois retrouver Bernard. Nous irons aider les malades dans les bas-fonds de Paris. Espérons que Charles ne nous y cherchera pas. Je dois rejoindre Siegfried à son campement près de Paris. J'ai un siège à préparer. Et ma fierté à ravaler. Dieu sourit aux humbles, Eivor du clan du Grand Corbeau. Tu verras. À très bientôt. Level up time. Ok, honneur et ennemi. Bon, les amis, je pense que on va mettre un terme à ce live qui aura duré 2 petites heures quand même. Je suis assez content. On aura fait sans doute un petit peu le tour de la carte. Donc, ce qui est cool. Là, vous voyez toute liste des personnages. Vous la sentez, la tier list? Oui, la bonne tier list de 90 noms. 93 noms. On sent la tier list en 9 parties, hein, au moins. Bon, tac, tac, j'ai fait le tour. Inventaire,
compétences, je lis le chat et on est bon. Donc, level up. Puissance 452. Hein. Putain, on a affronté des 499, on a survécu. Et... bon, heureusement que j'arrive à régénérer. Alors, je sais pas du tout ce qui me fait régénérer. Faudra que je me renseigne là-dessus quand même. Mais ça aide beaucoup, hein. Sans mentir. Bon. Qu'est-ce que vous comptez faire alors pour finir tranquillement votre soirée? Tu vas chercher trop loin tes coïncidences. Oui, effectivement. Tu cherches juste trop loin, je pense, parce que bon, elle considère tout ce qui vit comme béni, donc je suis caché, mais je ne le vois pas. Ben, va t'acheter des lunettes. C'est pas la reine qui te soignait des fois? Tu veux dire que la reine aurait un don de bénédiction qui me ferait soigner? Ah! En vrai, je n'ai pas souvenir que je me soignais avant. Donc effectivement, ça serait même pas impossible. Maintenant que tu le dis, Fabien. Bon, là, elle est partie, mais... c'est une théorie à vérifier jeudi. En live, du coup, sur Twitch. On va essayer sur Twitch. On va faire quelques lives sur Twitch. On va voir ce que ça va donner, sinon je reviendrai sur YouTube. Il faut juste que j'arrive à les partager aussi. Moi, je joue un peu à la play. Rien de plus, rien de moins, ce que je faisais aujourd'hui. Je sais pas, mais vu l'efficacité de soins, ça faisait un peu intervention divine. Effectivement, mais ça peut clairement se justifier. Hein, parce que j'ai rien qui justifie le gain de soins à temps. Il n'y a rien qui justifie le gain de soins. Hormis un truc, peut-être. Je l'ai pas sur moi, mais c'est dans mon inventaire. La cape qu'on a obtenue. Elle est où? C'est la cape du brigandier? C'était laquelle, la cape qu'on a utilisée? C'est celle-là, non? Ouais. Est-ce qu'elle a cette tatatata pour pauvre ruine retirée en placement? Non, ça justifie pas. Je sais pas. Je voulais vérifier si c'était pas la cape, mais non. C'est quoi ton pseudo empereur sur Twitch, histoire que je m'abonne? C'est Empereur Gwyn 52, tout en minuscule et tout attaché. J'ai pas réussi à retirer le 52 parce que Twitch, ils sont casse-couilles au niveau des noms. Donc tu peux me retrouver. Mais toutes ces informations-là vous seront données dans mon Green Point de demain. Ne vous inquiétez pas. Donc demain, n'oubliez pas, évidemment, on continuera du coup le Brotherhood. Vendredi Odyssée et jeudi on se retrouve évidemment en live sur Twitch sur ce Valhalla. Je sais pas si on est beaucoup on approche de la fin ou pas, mais en tous les cas on a fait une bonne partie. Il faut encore que je termine l'émission de notre ami Pierre, qu'on salue. Bon, bah cette fois-ci c'est tout bon pour moi. Je garde cette théorie hein, de la part de Fabien. On verra du coup lors des prochains combats jeudi si jamais effectivement la vie qu'on récupère est liée du coup à l'arène ou pas. Si c'est le cas, c'est une théorie très intéressante. Je vais la garder à la tête. Du coup, les amis, merci d'être passés. Ce fut un excellent live. J'ai bien aimé. Pendant 2 heures, c'était kiffant hein, quand même. On a bien rigolé, je trouve. On finira le siège de Paris tranquille ou en temps voulu. Et du coup, je vous sortirai évidemment en let's play les 2-3 quêtes qu'il y aura. Hein. Également dans le jeu. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder à peu près cette carte entièrement. Merci d'être passé. Allez! Je vous dis à jeudi pour le prochain live, c'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Salut.